C'est une première en Espagne. Une grève générale des femmes a été convoquée et suivie par des millions d'Espagnols. 10 syndicats avaient appelé à cesser le travail quelques heures ou toute la journée. Dans un pays où 99 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons l'an dernier, la lutte contre les violences reste un thème majeur. Huelga, si. Je dis oui à la grève à cause des différences de salaire, des violences et des différences de traitement. À Barcelone, l'accès au centre-ville a été perturbé par un grand rassemblement et les lignes de métro ont été affectées. Dans tout le pays, plus de 300 trains ont aussi été annulés. Les usagers étaient prévenus, mais beaucoup ne s'attendaient pas à un mouvement d'une telle ampleur. Normalement, on met 40 minutes pour arriver à la place de Catalogne. Aujourd'hui, ça nous a pris 1 h 15. Et on n'a pas pu prendre le trajet habituel parce qu'il y avait la police et qu'on ne pouvait pas passer dans la rue. Enseignantes, infirmières et même journalistes vedettes ont répondu à l'appel à la grève, venant grossir les rangs des manifestants dans des dizaines de villes, comme ici à Madrid, devant le siège du gouvernement régional.